Les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche, on doit être le 7, je crois, le 8, non, dimanche 8. Et il est assez tôt, il est même pas 8h, mais j'ai assez dormi et j'ai envie que ma journée soit hyper productive. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, du coup, je préfère me lever assez tôt. Et comme tous les dimanches, parce qu'en ce moment, je filme quasiment tous les dimanches et je vous filme un nouveau petit-déj. Parce que le dimanche est le seul moment où j'ai le temps de tester des trucs. Et du coup, bah, je vous filme en même temps, voir si c'est un fail ou pas un fail. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une recette, mais je vais complètement l'adapter. En fait, je vais complètement la changer. Il n'y a absolument rien qui va être pareil. Donc, si ça fonctionne, et j'espère parce que bah, j'ai trop envie de manger ça, je vous mets la recette en barre d'infos. Mais si ça n'a pas fonctionné, bah, faudra que je me fasse un autre petit déj. Donc, nous allons en cuisine et vous allez voir avec moi si ça va fonctionner ou pas. C'est parti! C'était pas censé ressembler à un pancake, mais c'est pas grave, je pense que ça va être bon quand même parce que j'ai rajouté de l'eau. Et donc là je le roule dans de la stevia et de la cannelle, enfin je le roule, je le trempe. Hop. Ça a l'air bon quand même. Pas été hyper présente, mais j'ai fait quand même un peu de trucs ce matin, mais rien d'intéressant. Fallait que j'appelle mon père, donc on est resté un moment au téléphone. Fallait faire les devoirs de Noan, il en avait un petit peu, donc ça a pris un peu de temps. J'avais les comptes à faire, enfin voilà, j'avais un petit peu de trucs à faire. Ce qui fait que il est 11h30 et donc je n'ai même pas fait mon ménage. J'allais l'attaquer, mais je voulais commencer à préparer à manger avant parce que j'avais les patates douces à cuire. Et vu que j'ai rien rentré dans l'appli, je savais pas ce que j'allais manger. Donc là, je vais faire au fur et à mesure. Je vais juste attaquer mon ménage maintenant et je finirai de faire à manger après. Mais je vous montrerai de toute façon ce qu'on mange. Bon, je vais faire mon petit wrap que je vous ai dit. Je vais vous montrer du coup ce que je mets dedans. C'est un peu les restes du frigo là. J'ai pas trop envie de me faire chier à faire à manger. Donc je mets ce que j'ai envie de mettre dedans. Je rentre tout dans l'appli et roule ma poule. On tente. Vous êtes pas très cadré. Enfin, je suis pas très cadré, mais c'est pas grave. Je suis pas hyper sereine, mais c'est pas grave. Non, je ferme pas ça. Ok. Wow, il est trop beau, attendez, faut que je vous montre. Regardez, c'est pas mal, hein. Moi, ça me semble bien. Je vais peut-être le laisser un peu. Parce que ça se trouve, ça n'a pas totalement fondu dedans. Petit goûter tardif, on vient de rentrer de balade et je me suis juste fait un bol de... C'est des Weetabix mini. Je vais vous montrer. Tout ça. Mmh.
pas mal de glucides. Mais bon, comme j'en avais pas beaucoup mangé ce midi, enfin sur la journée, ça va, ça le fait. J'ai juste mis 40 ml de lait, donc ça fait rien du tout. J'ai quand même compté dans l'appli. Mais en gros, on ne voit même pas le lait là. Parce que j'adore la sensation des céréales dans le lait, mais je déteste boire le lait. Du coup, c'est juste histoire de les tremper un petit peu et qu'il m'en reste pas à boire. Voilà. On était se balader 2 heures avec Noël. Je sais, normalement c'est 1 heure, mais vas-y. On est en campagne, on croise personne. J'ai quand même l'attestation au cas où. Mais voilà. J'avais trop faim. Bon, allez. Est-ce que je dois vous dire qu'il est 5 h et que j'ai pas fait mon sport? Du coup, je vais le faire après ça. Je vais digérer un petit peu et je vais le faire après. Je vous aurais quasiment... Oh non, malheur! Oh non, malheur! Je vous aurais quasiment rien filmé aujourd'hui. Du coup, je filmerai un peu demain. Et puis voilà. Ah, il y a des gens. Il fait trop beau. Il a fait super chaud aujourd'hui. Enfin, chaud. Ça reste un mois d'octobre. De novembre. Putain, je suis déconnectée. On est au mois de novembre. Mais il a fait super bon. Ouais, je mange ça. Après, je vais faire mon sport. Bon, écoutez, je suis plutôt fière de moi. J'ai fini de monter le vlog précédent, celui-là. En sachant qu'il y en a plusieurs que vous n'avez pas encore vu, parce que j'ai pris du retard juste sur les miniatures en fait. Vu que mon ordi bug à mort, je mets plus de temps à faire les miniatures qu'à faire les montages. Ce qui est assez bizarre, mais bref. Du coup, j'ai fait un truc bizarre avec ma gorge. Donc là, je suis en train de remplir mes petits tableaux pour mon coach. Je vous montrerai après, je sais plus. Je crois que je vous ai montré une fois mes tableaux. Je sais plus ce que je vous montre. Puisque je vous montre plein de choses, mais j'ai l'impression de vous montrer toujours la même chose, donc je sais pas. Bref, je remplis ça et je vais vous les montrer après du coup. Donc ça va regrouper du coup ma perte de poids, mes mensurations, mes calories, mon taux de protéines, et voilà. Là vous voyez, c'est mon tableau de mensuration. Il est vraiment super bien fait, ils sont très pratiques. Donc vous voyez qu'au niveau des fesses, j'ai augmenté un petit peu. Poitrine, ça ne fait que diminuer. Épaules, c'est assez stable quand même. Nombril, c'est stable aussi. Ça aussi, hanche aussi, bras droit, cuisse aussi. Franchement, les mesures, ça change pas de ouf. Voilà, à part ma poitrine. Et voilà, du coup mon poids, il baisse, il augmente, il baisse, il augmente. Mon sommeil, je dors toujours très bien, donc ça, il n'y a pas de souci. La faim, j'ai eu un peu plus faim en milieu de semaine, mais ça va. Protéines, j'ai pas tout compté pour aujourd'hui parce que ce soir, franchement, j'avais pas super faim. Et du coup, j'ai pas voulu me forcer. Donc j'ai mis repas extérieur parce que j'ai pas compté ce que j'ai mangé ce soir. Et bah voilà, mes petits tableaux, ils sont mignons. Coucou! Bon, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog dans ce vlog. Parce que je travaille cet après-midi toute la journée, donc je ne pourrais rien filmer. Et je travaille demain toute la journée. Donc oui, là, nous sommes lundi. Et je viens d'emmener Noan à l'école. Je vais faire mon sport. Mais avant, il faut que je fasse les photos pour le checking avec mon coach. Normalement, je suis censée les faire à jeun, sauf que... nous sommes en plein mois de novembre, il était 7 h quand je me suis levée, j'allais pas attendre 3 h pour déjeuner, donc j'ai déjeuné, enfin je me suis pesée, j'ai déjeuné et je prends les photos maintenant, ça va pas changer grand chose de toute façon. Et je m'entraîne juste après et après j'ai encore quelques petites choses à faire, donc je vous reprendrai dans la matinée, mais en gros la matinée va passer vite. Je pars au boulot à 12h30, donc je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Enfin, il est 9 h, mais j'ai déjà 1 heure de sport. Après, faut que je prenne ma douche, faut que je me prépare, faut que je prépare à manger. Enfin bref, la course tout le temps. J'espère que vous savez en tout cas et que vous aimez mes petits vlogs en ce moment. J'essaye de varier un petit peu le contenu, même si entre le boulot et la prépa, y a pas grand chose qui change. Et le sport à la maison, parce que clairement, c'est beaucoup plus chiant,
Mais d'ailleurs, je l'ai dit à mon coach que bah, ça allait, hein, le sport à la maison, ça va. Mais franchement, c'est chiant, ça m'énerve. Voilà. Il est assez content parce que j'ai perdu 300 grammes cette semaine, même si mon poids, encore une fois, fluctue pas mal. Mais il est quand même content. Et là, donc, je vais faire les photos. En un mois, honnêtement, je pense que je vais pas avoir beaucoup de résultats. Enfin, moi, pour moi, les photos, ça se fait sur plusieurs mois, mais peut-être que je vais être surprise. On reste encore au même macro pour cette semaine. Je vais vous mettre, parce que je crois que je vous avais dit que j'allais vous les mettre dans un autre vlog et je vous les ai pas mises, donc je vous mets mes macros juste ici. Et puis voilà, on reste comme ça pour cette semaine. Il m'a dit on voit et on avisera. Et bah voilà, faut que je me motive vraiment à faire le sport là parce que je suis pas très motivée. En fait, j'ai plein de trucs à faire. C'est cool de faire le sport à la maison parce que t'es chez toi, t'as pas besoin de te déplacer et tout. Sauf que quand tu vois que t'as des trucs à faire, bah t'as plus envie de faire les trucs que t'as à faire dans ta maison qu'à faire ton sport. Enfin, moi c'est comme ça. Donc je vais me motiver et c'est parti. Circles tell me which dish will never end. J'attaque ma miniature, je suis en train de manger mon petit wrap, sinon je vais encore avoir 50 000 calories à manger dans la journée. Et puis j'ai un peu faim, du coup wrap confiture comme d'hab. La confiture que j'utilise, c'est la Andros sans sucre ajouté à la fraise. Ma passion, elle est trop trop bonne. Et les wraps, c'est ceux de chez Aldi quand il y en a, sinon c'est Carrefour. Et ce combo, trop bon. C'est pratique à emmener. Bon, si vous mettez trop de confiture, ça fuit un peu. Genre moi, je mets 20 grammes et des fois, ça fuit quand je l'emmène au boulot. Donc faites attention quand vous mangez. Genre là, je sens que ça va déborder. Et comme je suis maladroite, je m'en fous toujours partout. Ça y est, j'ai fait ma connerie. Regardez-moi la grosse tache de confiture. Je suis un boulet. Alléluia, ma vidéo est enfin en ligne après tant de... De galère, oui, on peut le dire. J'ai énormément galéré à mettre ce vlog en ligne. Enfin, le vlog confinement 2.0 en gros. Donc, il est 11h10, l'heure de préparer mon assiette. Je vais peut-être pas manger tout de suite parce que j'ai pas archi faim. Donc en attendant, j'ai plein de trucs à faire. Donc je vais m'occuper, ça, y a pas de souci. Et je vais manger vers 11h30, je pense, à peu près. Voire un peu plus. Et je pars à midi et demi. Donc, mon assiette, je vais vous montrer. Je viens de mettre, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. J'ai encore du ventre. Ça me saoule. Je stocke tout dans le bide. Je suis large, je suis épaisse, j'en ai marre. Bref, des fois faire des vidéos, c'est pas cool pour notre mental. Parce que putain, moi je me vois tout le temps. Bon, je me vois déjà en vrai, mais alors quand je me vois à l'écran, c'est pire. Bref, essayer de passer outre. Donc, là j'ai mis donc 107 g de tofu. Hop, oh merde. Je vais rajouter encore de la sauce salsa. C'est vraiment mon combo faf, ça, je vous jure. La sauce salsa. Oh putain, je m'en fous partout. La sauce salsa avec le tofu, parce qu'on va pas se mentir, le tofu c'est quand même sacrément dégueulasse si tu le fais nature, enfin c'est même immangeable je trouve. Après il y en a toujours qui vont dire « Ah mais non, c'est trop bon le tofu nature !» Franchement, qui aime le tofu nature hein? Envoyez-moi la personne sur cette vidéo qui aime le tofu nature, parce que franchement, je ne connais personne. Hop. Je mets toujours 50 grammes pour la sauce salsa, c'est assez. Et moi c'est la marque, c'est même pas une marque en fait, c'est Carrefour.
Et moi, je prends la douce parce que j'aime pas trop ce qui est pimenté à la base. Hop, donc mon tofu, il est là, je le ferai snacker après. Ensuite, j'ai cuit hier de la patate douce. Donc, je vais me mettre dans la patate douce. Je pense que je vais en mettre une, c'est bien. 121 grammes, ouais, c'est pas mal. Et je vais essayer de la faire snacker à la poêle aussi, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de tester plein de trucs de bouffe en ce moment, je sais pas pourquoi. Ça m'inspire. Et donc ça, c'est un reste de brocoli que j'avais au frigo. Mais je n'en ai pas beaucoup, donc je vais en mettre. Et du coup, j'en ai fait recuire pendant que je me battais avec mon ordi. Ouais, il y a 142 grammes, ça ira bien. Hop. Les brocolis. 142, hop. Voilà, donc là on a un plat à 345 calories, mais je me prendrai sûrement un petit dessert parce que j'aime bien finir sur du sucré. Donc on verra. Voilà ce que ça donne, je vais retourner tout ça. Je vais manger parce que maintenant j'ai faim, ça sent trop bon. Bon écoutez, faire rôtir les patates douces sur la poêle, ça va rien changer du tout. À part la ramollir un petit peu, franchement, ça n'a rien changé. Donc, j'ai juste rajouté de la cannelle, c'est ça les petits points que vous voyez. Le combo patate douce cannelle, franchement, si vous n'avez pas testé, bah, vous ratez quelque chose parce que c'est trop bon. Et bah voilà, je vais mettre un petit peu de sel. Moi, je mets du sel rose, j'aime bien. C'est du sel d'Himalaya. Je ne sais plus où je l'ai eu. Et j'en mets partout, donc je vais mettre ça là-dessus. Et puis, bah, je vous dis bon appétit. Il est malheureusement l'heure pour moi de partir travailler. J'ai pas envie. Mais bon, c'est pas grave, faut quand même y aller. En sachant que là, le mercredi qui arrive, donc le 11 novembre, c'est férié. Et pour une fois, le magasin est fermé. Donc je suis aux anges. Du coup, j'aurai 2 jours de repos consécutifs. Ça, c'est trop bien. Parce que comme ça, j'ai le temps de faire plein de choses. J'aurai peut-être un peu le temps de me reposer. Mais ça va faire du bien d'avoir 2 jours de repos à la suite, c'est tout. Donc moi j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et que tu ne l'as toujours pas fait, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la commenter, à la partager, tout ça ça me fait très plaisir et ça m'encourage énormément. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Ciao !